have the honour to hand over to you the letters by which Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of the United Kingdom and Northern Ireland, accredited me to the Republic of Benin as Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador to the Republic of Benin, as well as recall the letters of my previous ambassador. Congratulations. Merci. Merci bien. C'était un grand plaisir de visite, d'arriver à votre pays. Plutôt, c'était un honneur de rencontrer le président Talon et de présenter mes lettres de créance dans mon rôle d'ambassadeur non résident du Royaume-Uni au Bénin. En tant qu'ambassadeur, je suis engagé à approfondir les relations entre nos pays. Je crois que nous devons poursuivre les opportunités et faire face aux défis ensemble. Nous souhaitions travailler avec vous pour aider le Bénin à accroître son économie, par exemple dans le domaine du tourisme, l'agriculture et l'infrastructure. Pour le tourisme, les Britanniques voyageaient traditionnellement en Afrique de l'Est et Afrique du Sud. Mais de plus en plus, il y a des personnes qui veulent connaître des autres endroits en Afrique et visiter des pays moins connus en Grande-Bretagne. Quant à l'agriculture, la Grande-Bretagne s'est engagée à consacrer 0,7% au fonds de développement. Nous sommes impliqués dans d'autres projets dans l'agriculture dans la sous-région. Quant à l'infrastructure, nous utilisons les fonds de développement et aussi les financements de la Cité de Londres. En fait, c'était un privilège de représenter le Royaume-Uni au Bénin. J'espère revenir bientôt au Bénin pour connaître mieux votre pays. Je souhaite que cela soit le début de futures discussions.